Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. La vidéo aujourd'hui où je vous invite à partager la raison pour laquelle je fais de la photographie. Je vous invite à réfléchir à la raison pour laquelle vous faites de la photographie. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors en fait, on s'est quitté la, la semaine dernière, donc j'étais au milieu des, euh, des bois et j'ai fait ce, ce coucher de soleil et je me suis retrouvé tout seul au moment où la nuit tombait, le soleil se couchait dans cet endroit. Un petit peu, un petit peu vallonné. Je ne vais pas dire isolé parce qu'on est de France, c'est quand même difficile d'être isolé. Mais en tout cas, je me suis retrouvé tout seul dans cet endroit. Et il y avait quelque chose de magique. Et quand je suis rentré à la maison, finalement, j'avais presque plus apprécié cet instant de me retrouver au milieu de la nature, au milieu de la forêt, de voir le soleil se coucher que d'avoir fait mes photos et d'avoir fait aussi la vidéo, même si bien sûr, forcément, ça me, ça me plaît. Et du coup, je réfléchissais un peu à ça et je me disais, mais en fait. Je suis souvent dans mes vidéos en train de vous dire, il faut sortir, il faut sortir, parce que c'est comme ça qu'on améliore euh, ses, ses, ses photos. Et je me dis, c'est pas que j'ai pas encore besoin de, de m'améliorer en photo, mais j'ai pas forcément besoin encore de sortir tout le temps, toutes les semaines, comme ça. Quel que soit le temps, vous l'avez eu il y a, a, a quelque temps encore, j'étais j'étais dehors sous la pluie à prendre, des, à prendre des photos. Et je me dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin Et je pense que oui. J'ai vraiment besoin, du coup c'est un, un peu ça que je voulais, je voulais partager avec vous et que je vous invite à réfléchir sur, sur la façon dont vous faites, dont vous faites des photos. Donc, forcément une vidéo aujourd'hui qui est un petit peu différente, je ne pense pas qu'on va beaucoup parler de technique, mais on va beaucoup parler de la façon d'approcher la photographie pour avoir vraiment une, photo, une, une vidéo un petit peu plus méditative, on va dire quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous disais aujourd'hui, là quand je suis j'ai un... Une alternance là de, de nuages et de soleil. Donc, parfois, euh, les, les fleurs, ça a et, de, et des fois, elles sont un petit peu, peu sous-exposées, on va dire, sans avoir plus de photos. Mais vous voyez, de, de ce que mon œil ressent. Euh, et en fait, je, je, je suis super content d'être ici. Parce que là, dans mon jardin, actuellement, les jonquilles, comme je juste à sortir, alors, on est sur un Narcisse. Euh, mais les fleurs, je veux dire, commencent juste à sortir. Et, et je suis surpris de voir ici que, visiblement, ces narcisses, on les a quelques jours, voire quelques semaines derrière eux. Et j'arrive presque à la fin. Mais je suis super content d'être revenu dans cet endroit et d'avoir retrouvé cet endroit. Parce que tout autour, il commence à y avoir des narcisses qui, qui poussent. Et il y a trois ou quatre ans en arrière, je pense que c'était même avant le Covid, euh, j'étais venu ici et j'avais trouvé ces, euh, ces narcisses et j'avais fait des photos. Et quand je suis revenu les années d'après, j'ai jamais réussi à les retrouver. je me suis dit, pourtant, ils n'ont pas pu disparaître. Mais je pense tout simplement que les années d'après, je suis revenu un petit peu trop tard. Et donc là, je suis dans le timing parfait. Donc du coup, bah, je vous propose euh, de s'arrêter ici. Alors pourquoi celui-ci m'a attiré l'œil plus que d'un Parce qu'il y en a quelques-uns parsemés ici à droite à gauche. Tout simplement à cause de la souche et de son, de son environnement. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant autour de, de celui-ci. Donc je vous propose tout simplement bah, de, de se mettre en place pour, pour cette première image et puis de regarder euh, comment, comment on va prendre la photo. Allez, c'est parti alors ah voilà, avant que je vous parle de, de ma composition, du moins de ce que je suis en train de mettre, de mettre en place ici, donc je reviens sur le sujet. Et le sujet, c'était pourquoi, pourquoi je fais de, de la photographie. Et donc, on peut étendre à pourquoi, en général, les gens font de la photographie. Alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs raisons. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense qu'il faut déjà trouver son sujet. Je pense va revenir sur, sur ce point d'ailleurs au cours de cette vidéo. Mais il y a aussi la façon d'approcher de, de, la photographie. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus côté technique et dans ce cas ça va vous apporter un intérêt de d'essayer de créer des choses euh, qui sont je dirais, techniquement euh, difficiles euh, des, des objets en mouvement des, des, des choses comme ça donc qui vont vraiment vous obliger à travailler fort la technique ou est-ce que vous êtes plus du genre à adorer le développement et auquel cas c'est pas forcément la prise de vue qui va vous intéresser le plus mais le côté post traitement après de créer des choses qui seraient euh, à la fois un mélange de ce que vous avez vu et ce que de ce que vous espérez ou ce que vous pensez en fait comme, comme réalisation. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus artistique de la photo en, en général. Et puis bah, tout simplement essayer de retranscrire une émotion, une vision, quelque chose que vous avez vécu sur, euh, sur l'instant. Donc je pense que tout ça, c'est les différentes raisons pour lesquelles vous allez, euh, vous allez faire de la, de la photo, vous allez vouloir euh, faire de, 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 de la photo. Donc voilà. Euh, c'était mon, mon introduction sur, euh, sur le sujet on va s'intéresser à cette, à cette première image donc je vous montre euh, ce que je suis euh, là actuellement en train de en train de photographier donc vous voyez' j'ai cette euh, jonquille cette, cette narcisse euh, qui est sur ce, euh, sur ce sur ce tronc donc là je suis vraiment au maximum je suis à mon, mon 24 24 mm euh, ce que j'avais vraiment envie de faire au niveau du au niveau du cadrage voyez vous voyez où c'est beaucoup plus serré les choses. Et donc, en fait, il y a quelques temps, on parlait de la composition. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter cette fois-ci sur cette image? Ben, on a la, la, la Narcisse qui est ici et donc qui est en fait la renaissance de la nature. Et puis, on a sur la gauche cette feuille d'automne qui est plutôt ben, l'inverse, en fait, la résultante de ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a quelques mois maintenant, la fin euh, d'une période, d'un cycle de la nature avec les feuilles qui sont tombées au sol et puis cette. Cette souche qui, elle, visiblement, est, est plus loin encore dans, dans le temps, dans son niveau de dégradation. Et c'est tout ça, en fait, c'est tout ce mélange qui fait que tous les ans, on a ce nouveau cycle de floraison et de, et, et de nature et de verdure qui, euh, qui repousse. Donc, c'est ce que j'avais envie de mettre euh, en place dans, euh, dans l'image. Désolé, ça s'est arrêté ici à l'écran. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais, euh, je voulais mettre, euh, mettre en évidence. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer la feuille euh, qui va bientôt s'enrouler, de ce que je peux voir. D'intégrer la souche. Alors, probablement qu'au niveau du cadrage, on pourrait essayer de faire quelque chose un petit peu plus euh, comme ceci, de vraiment rapporter la jonquille un petit peu plus au centre. Probablement, hop, on va remonter légèrement. Alors, je ne veux pas trop remonter, vous avez vu tout à l'heure, il y, y a le ciel là-bas haut. Donc, on va faire quelque chose comme ceci. Parce que là, je suis pas mal. Je vais encore recentrer. J'aime bien les deux petits points jaunes de, de, de Narcisse dans le fond parce que finalement, il, il rappelle justement cette Narcisse qu'on va mettre, elle, nette sur l'image. Et c'est sur elle d'ailleurs que je vais faire ma mise au point. Hop. Et bien voilà ce qui se passe quand on n'a pas serré toutes les vis. Ou alors. Non, c'est bon. C'est serré. Donc la mise au point. Euh, mon cadrage est à peu près correct. Alors, si vous permettez, je vais mettre. Là, dans l'icône, parce que je trouve que c'est toujours plus facile pour moi de travailler mes, mes compositions. Bon, du moins, mon image. Donc là, je pense que le... la feuille est plutôt au bon endroit. Vous j'ai mis les les quadrillages. Donc on a euh, le narcisse, pas mon milieu, sur le point d'intersection. J'ai euh, la feuille, l'autre point d'intersection, la chouche. Donc là, on a quelque chose de plutôt bien construit au niveau de la, de la composition. Hop, on va retirer le, le, le quadrillage. Euh, au niveau de mon histogramme, vous voyez qu'il est vraiment euh, sous-exposé. Donc là, je suis mis au point sur le Narcisse et c'est lui qui va m'inquiéter un peu parce que... Alors là, on a de la chance. pas enfin, de la chance. On n'a pas, pas de lumière, on n'a pas de soleil, mais les Narcisses ont vite fait d'être surexposés par rapport au reste de la nature. Et donc là, globalement, j'ai une, une image qui est sous-exposée. Donc ce que je vais faire, de toute façon, je vais augmenter un peu mon diaphragme pour m'assurer d'avoir à la fois la feuille, le narciss, et la souche derrière qui sont, qui sont nettes. Et bah ben forcément, donc, hein, euh, en augmentant mon diaphragme, en fermant mon diaphragme, j'ai perdu de luminosité, donc là on va vraiment essayer de rééquilibrer. Ben, je pense qu'ici je suis quelque chose qui est plutôt pas mal, au niveau de mon histogramme, je vais remettre un peu l'œil dans ton parce qu'on est vite fait de se trouver perturbé par l'environnement, probablement. J'ai pas vraiment de, de, de lumière, mais j'ai bien envie de, d'exposer un tout petit peu, de, de sous-exposer, pardon, un tout petit peu mon image, enfin, sous-exposer, de descendre un petit peu. Probablement plus sur un vingtième. Alors, le problème, c'est que j'ai du vent. Donc, du coup, euh, on va monter la sensibilité. Alors, j'ai vraiment un problème avec mon pied. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que j'ai oublié de serrer quelque chose. Parce que là, toutes mes vis sont serrées et je comprends à pourquoi ça tourne. Ouais, je pense que c'était cette bague-là qui était mal serrée. Donc, je disais donc que j'allais monter ma sensibilité. Je vais voir après le, le cadrage. On va déjà remonter ça, ma sensibilité. Je vais probablement carrément partir sur du 400 hasard. Euh, ce qui va me donner au niveau de la vitesse ouais, du 1,80ème. Je pense que ça sera plus sympathique. Je vais vérifier mon cadrage. Ouais, il n'a pas bougé. Donc ça, il est toujours bien. Je vais remonter un peu pour faire ma mise au point, vérifier que ma mise au point est correcte. Côté okay, elle est plutôt bonne. Donc voilà. Donc, la balance des blancs, je l'ai laissée sur le, sur le nuageux. Euh, donc, je suis au 1, 80e, ISO 400, F11. Donc, légèrement en surexposition par rapport à ce que l'appareil me dit. Hein. Je suis en premier central. Donc là, ma mesure d'exposition de, de, est faite sur, euh, sur la Narcisse. Donc voilà. Euh, composition image toute simple, on déclenche et puis on regarde l'image. Alors, je suis en position pour ma seconde image. Alors, seconde image qui va être un peu compliquée à mettre dans la boîte. Vous voyez un peu dans la position où je suis. Alors, justement, il y a, il y a bien quelque chose que, euh, que je n'aime pas du tout. Euh, quand, quand je prends des photos, bah, c'est euh, de détruire en fait, l'environnement dans lequel je suis, euh, autour de moi. Donc, du coup, j'essaye avec pas mal de précautions de ne pas abîmer euh, tous ces narcisses qui sont autour. Donc, j'ai changé d'endroit. Vous voyez, il y a beaucoup de pour... Beaucoup plus ici, euh, autour de moi. Et donc, en fait, pour continuer dans, dans, dans la série et dans, dans ce que je vous disais, pourquoi je prends de la photo et ben je pense que c'est tout simplement pour ça que je prends, je prends de la photo. De, depuis, euh, depuis que je suis tout petit, donc j'ai eu la chance d'être élevé, on va dire, à la, à la campagne avec, euh, avec des grands-parents qui faisaient du jardin, qui faisaient des fleurs, avec mes parents aussi qui avaient un jardin et qui, euh, qui adorent les fleurs, même encore maintenant. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Et pour moi, la, la nature, c'est quelque chose d'important. Je pense que j'aurais du mal aujourd'hui euh, à vivre en ville et j'aurais du mal à, à prendre des photos en ville parce que je n'ai pas été habitué à cet environnement-là. Alors que la nature, c'est quelque chose bah, qui, me, qui me parle bien parce que j'ai été élevé dans cet environnement-là. Et je pense que ça, c'est important dans, dans la photo parce que quand je suis au milieu de la nature, je pense que je vois des choses que si je suis au milieu de la ville, je ne vais, vais pas forcément voir parce que ce n'est pas, pas la façon. Dont dont je pense, dont j'ai été élevé, du moins, c'est un peu l'impression que l'impression que j'ai. Et du coup, en fait, pour revenir sur le sujet de pourquoi je fais de la photographie, ben, je pense que je fais de la photographie tout simplement parce que j'aime bien euh, me promener dans la nature, j'aime bien être en forêt, j'aime bien être dans la plaine, j'aime bien, bien voir ce que la nature nous offre, que ce soit par les changements de lumière, que ce soit par les changements de, de saison, les changements de paysage aussi. Et du coup, en fait, c'est tout ça qui fait que ça m'attire pour, pour aller dehors. Et, et je pense que ma première motivation, elle n'est pas forcément de prendre de la photo. Ma première motivation, elle est bien souvent plus de sortir et de voir ce que la nature a à m'offrir. Et c'est pour ça que quel que soit le temps, j'ai ce besoin euh, d'aller dehors et ce besoin de, de, de sortir, de me retrouver dans la nature. Et donc, du coup, euh, aussi après, euh, de faire de la photo. Et c'est vraiment ce que je vous incite à faire, c'est d'essayer de... De comprendre ce cheminement que vous avez de pourquoi je veux faire de la photo. Je pense que ça va beaucoup vous aider à finalement à, à comprendre les choses et puis à voir les sujets que vous avez envie de, de photographier et non pas essayer de, de reproduire des, euh, des schémas, mais vraiment de créer votre propre schéma, votre propre process pour prendre, pour prendre des images. Donc voilà, pour continuer à développer un petit peu sur le sujet, Donc on va revenir sur, sur l'image. Donc vous voyez à peu près là ce que, ce que je suis en train de cadrer. Alors je n'ai pas, pas amené mes lunettes, euh, mais je pense que l'écran est net et que vous voyez correctement. <laughs> euh, je vais remettre l'œil dans lœil après, comme ça je serai sûr que j'ai bien fait la mise au point. Mais donc vous voyez un peu cette, cette image que je suis en train de prendre. Donc qu'est-ce que ça m'attire ici dans la, dans la composition Donc on a ce champ de jonquilles. Donc clairement, je voulais continuer, continuer à l'intégrer dans, dans mon image. Alors j'ai hésité pendant un moment. Euh, au niveau de mes. Hop, j'ai hésité pendant un moment. Je reviens parce que là, je crois que l'écran s'est éteint. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai sur la, sur la gauche un autre arbre. Donc, j'avais décidé de faire un cadrage comme celui-ci. Et puis, finalement, je suis revenu avec quelque chose beaucoup plus comme ceci. Si. Tac. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai ce lierre qui monte sur l'arbre. Donc, c'est vraiment le... cette idée, encore une fois, de la nature qui commence à se réveiller et qui reprend des forces pour, bah, pour monter vers la lumière. Ce chant de jonquilles, encore une fois un arbre couché qui, qui ramène cette idée de finalement de cette forêt qui, qui vit, qui meurt et qui, et qui naît. Donc c'est ce que j'avais vraiment envie de, de, de mettre sur cette, sur cette composition. Alors maintenant je suis en train de me poser énormément de questions. Donc vous voyez que ici je suis donc sur le, euh, sur le format euh, classique 24-36. Euh, et ce que je voulais vous montrer, hop, je vais essayer de retirer tout ça que vous voyez le plus de choses possible. Donc en fait, vous voyez, je, ce que j'essayais, ce que j'hésitais à faire, c'est vraiment de faire un format dans un premier temps 16 neuvième, tout simplement parce que j'avais envie de retirer euh, le ciel hein, qui, est dans, qui est dans le haut. Donc j'aime bien le format 16 neuvième et puis j'aime bien aussi hop, ce que ça pourrait donner en, en format carré. Alors sur le format carré, ce qui me gêne un peu, alors là je viens de bouger encore en plus, donc du coup il va falloir que je me remette. Donc, j'étais beaucoup plus comme ça sur les cadrages. Donc, ça, c'est mon format carré. Tac. Et vous avez vu avant donc, le format en 16 neuvième. Donc, c'est deux photos complètement différentes où cette fois-ci, c'est vraiment plus que la souche qu'on voit dans le fond à droite, alors qu'avant, on voyait complètement le tronc. Donc, vraiment deux, deux compositions complètement différentes. Sur celle-ci, forcément, on est beaucoup plus centré puisque sur le carré, il y a moins de choses qui, qui attirent autour. Donc, on a les jonquilles et puis très clairement, on va aller sur le, sur le lierre qui est, qui est derrière. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt évident, je dirais, comme composition. Sur le 16-9e, je vais revenir dessus. Pour que vous voyez, je pense que c'est comme ça qu'on va prendre la, la première image. Hop. Euh, sur le 16-9e, vous voyez ce qui, ce qui m'intéresse. Alors là, par contre, hop, on va remettre un petit peu plus de choses comme ceci. On va redescendre un tout petit peu pour ne pas couper les jonquilles dans le bas. Donc vous voyez en fait ce qui m'intéresse, alors c'est compliqué de ne pas couper les joncillon dans le bas et de ne pas couper le lierre en haut. Donc il va falloir probablement que je réaugmente un tout petit peu mon cadrage. Donc on va aller probablement sur quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette arbre qui vous amène sur, sur le lierre. Donc il y a cette intention de direction avec l'arbre touché dans le... Dans le donc Voilà, alors au niveau des euh, au niveau de la mise au point, donc je veux vraiment avoir un, une mise au point nette sur le lierre et je veux oublier un peu tout derrière. Je veux juste que ça soit un ensemble de, de, de couleurs et de flou. Donc je vais probablement rester sur du aller sur du 5, 5, 6, probablement au grand, au grand maximum. Donc ça si va me donner au niveau de la vitesse quelque chose, probablement comme ici, du 1 centième. Ouais, je pense que mon histogramme est plutôt pas, euh, pas mauvais. Donc du 1 centième. Et puis, donc, après, on va prendre sur le format carré. On va être à peu près dans les mêmes, dans les mêmes zones. Donc, je prends les, je prends les deux images. Je vous les montre à l'écran. Et puis, bah, dites-moi lequel des deux formats vous préférez le mieux, le carré ou le 16 Allez, c'est parti. Pour ma, ma troisième image, alors c'est assez bizarre, marrant, je sais pas, mais sur le, sur le chemin, donc pour, pour sortir de ce, de ce petit carré de, de Narcisse, j'ai croisé une Jacinthe des Bois. C'est la toute première, elle est toute seule isolée dans un, dans un coin. C'est assez, euh, assez bizarre en fait. Donc ça veut dire que la saison commence à arriver, donc dans peu de temps on va se retrouver dans ce coin-là parce que je sais qu'un peu plus haut il y, en a, il y en a pas mal, et donc on va pouvoir refaire euh, des images de, euh, de Jacinthe des Bois. Mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'était en fait pourquoi vous faites de la, de la photographie. Et pourquoi je pense que c'est important Parce que bah, la photographie, comme tout type d'activité d'ailleurs, euh, qu'elle soit artistique ou pas, je pense qu'il y a toujours un moment où il y a euh, un peu de lassitude, un peu de frustration. Et c'est toutes ces petites choses-là qui vont vous faire abandonner cette activité. Et, et quand on est justement dans le domaine de la photographie, de l'artistique, on a toujours envie de, à chaque photo, de prendre quelque chose de, de, de waouh, comme, comme j'ai l'habitude de, de dire. Et on sait très bien que ça ne marche pas toujours parce que, bah, justement, quand on est dehors pour, pour la nature, la nature elle a envie de faire pas mal de choses et pas forcément de toujours vous accueillir. Là, ça me faire déchirer la jambe entre guillemets <laughs> par, par des ronces. Donc la nature n'est pas toujours, toujours accueillante. Et puis, bah, voilà, on est, on est tributaire des de, 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 de conditions euh, météo. Ce n'est pas toujours les conditions idéales pour prendre pour des prendre images. Mais si vous trouvez ce petit plus à côté de la photographie qui vous incite à, à sortir, qui vous incite à pratiquer la photographie, c'est ça en fait qui va vous faire que dans ces moments de frustration, vous allez toujours y trouver le petit truc en plus et que vous allez continuer cette, cette activité et que vous allez pouvoir progresser avec cette, cette activité. Et puis, bah, effectivement, il y a, il y a parfois un ras-le-bol. Et puis, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, poser aussi la caméra et puis faire complètement autre chose. Et je pense que parfois même, euh, sortir sans l'appareil photo ou ne sortir qu'avec un téléphone ou même rien du tout, mais juste observer, c'est déjà un bon travail lorsqu'il s'agit de la photographie, parce que ça exerce votre œil à regarder les choses autour de vous et à ne pas vouloir avoir cette intention de les photographier, mais avoir cette intention de juste se les regarder. C'est en regardant les choses qu'on a des idées de, de, de photographie. Donc, tout ça, c'est toujours, toujours bon. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver ce petit « Pourquoi je fais de la photographie ?» Et si la réponse, elle est « Je fais de la photo pour la photo », perso, hein, ce n'est juste que mon avis, et ça n'engage que moi, mais je pense que ça va être difficile d'avoir cette activité sur le long terme parce qu'il euh, y a un moment où il y a, y, a, y a une lassitude, on part dans tout, dans tout un tas de dans tout sujets, on, on prend des photos, on prend des photos, on prend des photos, et on n'a pas forcément cette visibilité de la progression, et du coup, on n'a pas non plus ce petit truc en plus qui vous fait que, ouais, j'aime bien, j'aime bien prendre de la photo parce qu'en même temps, euh, je fais, je fais autre chose. Uniquement mon avis personnel, et je vous encourage vraiment là dans les, dans les commentaires cette semaine à me donner, à me donner votre avis sur, bah, pourquoi vous faites de la photo, est-ce que, et l'intérêt et la motivation que vous trouvez à, à faire de la photo, je pense que ça aidera aussi tout le monde à, à continuer cette petite, cette petite réflexion. Alors, oh là qui était pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on revient sur sur la composition. Donc vous voyez ici bah, je suis vraiment sur quelque chose de, de, de simple, on va on va dire, on n'est pas sur la photo waouh, on est plus sur la photo témoignage. Et donc là je me prends dans la nature. et ce que ce que je vois donc c'est cette grosse liane de lierre qui est montée sur sur ce chêne et donc qui à gauche du chêne la complètement absorbée et à droite on a le chêne qui est encore bah, on voit son écorce, alors on voit un, un, un lierre un peu nouveau là qui est en train de qui est en train de monter. Mais on voyait bien tout, 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 tout ce contraste. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Alors, si j'étends un petit peu plus ma vidéo, vous voyez qu'on va commencer à, à sortir de, de l'arbre. Donc, j'ai vraiment centré pour avoir le maximum du, euh, du train. Alors, je, je suis un peu embêté au, au niveau de la coupe là, sur le côté, mais je vais la laisser quelque part comme ça. Et donc, justement, la démarcation entre le, la liane d'un côté et puis le chêne de l'autre, je l'ai laissé vraiment, vraiment à plein milieu. Donc, j'ai fait la mise au point bah, vraiment sur le, euh, sur le centre de, de l'image. Euh, alors, vous voyez, mon chaîne est légèrement courbée. Donc, j'ai choisi un diaphragme de F9. Et même si c'est légèrement flou sur le, sur le côté, je dirais que cette, sur cette image, ça ne me gêne pas euh, spécialement. Alors, par contre, je suis un petit peu embêté parce que là, je suis monté quand même sur du F9 et je suis du 1/30e à, euh, à ISO 400. Donc, je vais probablement euh, augmenter un petit peu ma sensibilité. On va passer sur du 140, ce qui va me permettre au niveau de la vitesse de gagner, je pense suffisamment, ouais, un cinquantième, parce que je ne sais pas si, si vous allez voir, mais il y a, il y a quand même un léger vent euh, par le donc qui fait bouger un peu, les, un peu les, feuilles, donc je n'ai pas vraiment envie que d'avoir une photo floue à cause de ça. Donc là, je suis en train de surveiller les, euh, les feuilles, et puis quand je vois que ça se calme, je vais, je vais déclencher. Mais vous avez en gros ma, ma composition, donc j'ai une première composition qui est ici assez large, et puis donc j'en ai une deuxième que je vais faire beaucoup plus serrée, donc sur ces cette partie là du lierre, on va voir cette fois-ci que la liane derrière et puis ce lierre un peu en train naissant, en train de monter dans la dans la liane en format euh, serré, en format euh, carré aussi. Donc je vais probablement me tourner un peu et probablement aussi tourner un peu ma euh, ma caméra, mais voilà en fait la seconde image que je vais je vais prendre les deux en format euh, en format carré tel que vous pouvez le voir euh, là tout de suite quand on tire le cadrage. Oui euh, je Je vais prendre cette première image donc cette première image que vous allez voir euh, à l'écran. Je vous retrouve après pour la, la conclusion et juste après la conclusion vous verrez celle que j'ai pris en, en format serré mais au niveau des, des réglages je dirais mis au point euh, La sensibilité ça va rester la même c'est 140 probablement f9 et 1 50e bon je vais aller la voir légèrement tourner c'est possible que j'ai une, une légère différence sur la vitesse Mais en tout cas pour la sensibilité et puis le, le diaphragme on va retrouver la même chose sur, sur la dernière image Allez je reprends une fois celle-ci pour m'assurer de mon coup Vous la regardez à l'écran et puis on se retrouve tout de suite après c'est fini pour, pour la vidéo d'aujourd'hui, alors j'espère que bah, ça vous aura donné à réfléchir euh, sur pourquoi vous, vous faites de la photo. Je vous, je vous assure que c'est vraiment, vraiment quelque chose à, à penser parce que ça va vous permettre de continuer à évoluer dans la, dans, dans la photographie, croyez-moi. voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les, les différentes photos et les différentes compositions que j'ai pu créer sur la deuxième et la troisième, la troisième image. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires justement sur le sujet du jour, donc pourquoi vous faites, vous faites de la photo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve mercredi comme d'habitude pour le tuto développement. Et puis sinon, dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.